14h30 à Goma, si vous nous rejoignez. Mesdames, Messieurs, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à la une de ce midi. Actualité, le coup de marteau a retenti hier au Parlement. Les députés nationaux et sénateurs ont repris le chemin de l'hémicycle après 3 mois de vacances, la toute dernière session parlementaire de cette législature. Parmi les matières prioritaires figure l'examen de loi de finances exercice budgétaire 2024 estimé à 40 milliards de francs congolais, dont le projet a été déposé hier par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé Kengé. Au sommaire également, c'est une première en République démocratique du Congo depuis le début de cycle de violence. Les victimes de toutes sortes de violences de 5 provinces pilotes, à savoir le Nord Kivu, le Sud Kivu, le Kassai central, le Congo central et l'Ituri, vont bénéficier d'une réparation complète. C'est l'une des décisions prises par le Fonarev au terme d'une mission d'itinérance. Également, dans ce journal, le taux d'enregistrement des enfants de moins de 5 ans a connu une augmentation de 15% par rapport à 2013. Les stratégies mises en place par le gouvernement congolais pour atteindre cette augmentation ont été partagées à New York par la ministre d'État, ministre du Plan. Voilà tout pour le titre. Mesdames, Messieurs, encore une fois, bonjour à tous et à toutes et bienvenue. La 113e réunion du Conseil des ministres, c'était hier. Elle était présidée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je vous propose de suivre un extrait du compte-rendu dans une lecture du porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, ministre de la Communication et Médias. La conclusion du programme du gouvernement 2021-2023. Le président de la République s'est réjoui du niveau d'exécution qui a pu être enregistré en termes des réalisations, notamment celles découlant de ses instructions et recommandations données en Conseil des ministres, dont celles visant à améliorer les quotidiens des plus vulnérables. Au-delà du volontarisme et de la réactivité du gouvernement, dans la matérialisation de ses instructions, il demeure néanmoins de constater que certaines d'entre elles n'ont pas encore été totalement traduites en actes. Pour des besoins de redevabilité, d'efficacité et d'efficience dans la gestion axée sur le résultat, le président de la République a chargé le Premier ministre ainsi que l'ensemble du gouvernement de faire l'inventaire de toutes les instructions émises à l'occasion de ces communications en Conseil des ministres et de poursuivre l'opérationnalisation du cadre de concertation mis en place lors de la deuxième réunion du comité de pilotage du Conseil présidentiel de veille stratégique réunissant la primature, les CPVS ainsi que le secrétariat général du gouvernement. C'est une session essentiellement budgétaire, je l'ai dit à l'ouverture de ce journal, qui a ouvert ses portes à l'Assemblée nationale. Il a offert au Premier ministre Samalou Kondé Kengé l'occasion de déposer ce même vendredi le projet de loi de finances exercice 2024 au bureau de cette chambre législative. Budget qui s'élève à 40 milliards de francs congolais, soit un accroissement de 24,7%. C'est bien avant l'ouverture solennelle de la session de septembre marquée par l'allocution du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosokodia. On en parle avec Sylvie Moembe. C'est la dernière session de la troisième législature débutée en mars 2019, consécutive aux élections de décembre 2018. Après 5 ans de mandature, les élus nationaux s'apprêtent à rendre compte de leur mission de représentation nationale. Le 20 décembre prochain, seront organisées les élections combinées. À cet effet, le Parlement de la République a doté la CENI des instruments juridiques nécessaires à l'organisation des élections dans les délais constitutionnels. À l'ouverture de la session ordinaire de septembre, le président Christophe Mbosokodia Poanga, en présence du bureau du Sénat, des ambassadeurs accrédités en République démocratique du Congo, du Premier ministre et des corps constitués, a fait un discours axé sur l'évolution du processus électoral et sur la nécessité de doter le gouvernement d'un budget conséquent face à la situation socio-économique du pays et la résolution de rétablir la paix et la sécurité dans l'est de la République démocratique. La République démocratique du Congo a connu certains événements malheureux et a causé la mort et la désolation
parmi nos compatriotes. Il s'agit notamment de la poursuite des actes de barbarie perpétrés dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri par les M23, branche armée terroriste du Rwanda. Les choses sont allées vite. Le bureau de l'Assemblée nationale est déjà en possession du projet de loi des finances pour l'exercice 2024 qui s'élève à 40 milliards de francs congolais déposé par le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kenge conformément au règlement intérieur de la Chambre basse du Parlement. Dans le cadre des obligations que nous avons prises vis-à-vis de l'Assemblée nationale sur le budget programme, nous avons 7 ministères sectoriels qui, eux, vont déjà expérimenter cette approche de budget programme, parmi lesquels l'enseignement supérieur, nous avons la défense, nous avons l'agriculture, le développement rural, la santé. C'est déjà pour ne citer que cela. Et nous gardons aussi un œil sur la poursuite du processus électoral, parce qu'il faudrait que je sois le plus complet possible. Nous allons garantir que pour le début de l'année prochaine, étant donné que c'était une demande de la CENI, nous puissions avoir aussi des moyens à allouer sur la poursuite du processus électoral, d'abord au niveau local, mais aussi au niveau sénatorial qui viendra par la suite, et donc des moyens aussi à allouer à ce secteur-là. Le speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosoko-Diapwanga, a exprimé le vœu d'une bonne organisation des élections, c'est-à-dire des élections crédibles, transparentes et apaisées. Même ambiance à la chambre haute du Parlement où les sénateurs ont retrouvé le chemin de l'hémicycle. Le speaker du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, a dans son mot brossé succinctement la situation générale du pays. Il a par la même occasion appelé le gouvernement congolais à mettre à la disposition de la CENI de moyens conséquents pour l'organisation des élections dans le délai. On en parle plutôt avec Sandra Nyangi. Le go est donné à la Chambre haute du Parlement pour la dernière session de cette législature. Une session essentiellement budgétaire qui sera aussi ponctuée par les élections générales du 20 décembre 2023. Dans son allocution devant les invités de marque, le président du Sénat, Modeste Bahati, a passé en revue tous les domaines de la vie nationale, de l'économie en passant par le social, la politique et la sécurité pour finir. Étant une session essentiellement budgétaire, le speaker du Sénat a appelé le gouvernement à déposer à temps le projet du budget 2024 afin de permettre à l'Assemblée nationale et surtout au Sénat de mieux l'examiner dans l'intérêt de la nation. Rappelons que le dernier budget voté par les deux chambres était à l'ordre de 16,4 milliards de dollars américains. Concernant l'organisation des élections, dans le délai prévu par la Constitution, le président du Sénat, Modeste Bahati, a exhorté l'exécutif national à doter la CENI des moyens conséquents. Pour éviter l'amenuisement continu du pouvoir d'achat de la population, je souhaite que le budget 2024 soit adopté en tenant compte de la conjoncture économique dont les tendances inflationnistes auront sensiblement accru et le taux de change du franc congolais au-delà des prévisions face aux monnaies étrangères. Les élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales sont prévues à la fin de cette année et en début de l'année prochaine. J'émets le vœu de voir le gouvernement continuer à décaisser à temps les fonds prévus pour permettre à la CENI d'organiser des élections justes, transparentes, démocratiques et apaisées. Au chapitre sécuritaire, le speaker de la Chambre haute du Parlement a recommandé au gouvernement de prendre des mesures adéquates pour éradiquer l'insécurité entretenue par des groupes armés dans la partie est du pays et dans une certaine mesure dans la province de Maïndombé. Il a aussi appelé à la même mobilisation contre le banditisme urbain qui prend des allures inquiétantes dans les chefs-lieux de certaines provinces afin de sécuriser la population, mais aussi les élections. Au chapitre social, le président du Sénat a exhorté le gouvernement à
prend certaines mesures pour améliorer le social de la population qui a perdu le pouvoir d'achat à cause de l'inflation. Modeste Bahati Lukobo a rendu un hommage vibrant au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour l'application de la gratuité de l'enseignement de base et la gratuité de la maternité rendue possible aujourd'hui à travers le programme de la couverture santé universelle. Une minute de silence a été observée au Sénat en mémoire des parlementaires et compatriotes décédés pour une raison ou une autre. Un mois après son accréditation, la nouvelle ambassadrice du Royaume de Belgique est allée évaluer l'état d'avancement de différents projets de coopération entre Kinshasa et Bruxelles. Elle était en face du Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé-Kengé. Elle a rassuré du soutien de la Belgique face aux différents problèmes humanitaires et sécuritaires de la République démocratique du Congo. Reportage Patti Tondwangu, Marcel Moubenga et bienvenue Lusala. La coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et la Belgique est au beau fixe. Pour preuve, accréditée il y a un mois en RDC, la nouvelle ambassadeur de la Belgique a évalué avec le Premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Samalou Kondé-Kengé l'état d'avancement des différents projets de coopération belgo-congolaise, la reprise de la coopération militaire entre les deux pays, mais également la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Alors on a parlé évidemment de notre programme de coopération qui est très large et qui a été relancé pour 5 ans, qui est très ambitieux dans toute une série de domaines. On a parlé des questions aussi culturelles et de restitution. Je crois que c'est un thème qui est très cher au Premier ministre. On a parlé bien sûr aussi de la coopération militaire que la Belgique a repris résolument aux côtés de la RDC et aussi maintenant avec un appui européen de la Facilité européenne de paix. Donc tout ça, ce sont vraiment tous des domaines de coopération bilatérale qui sont importants. Roxana de Bederling et Jean-Michel Samalou Kondé-Kengé ont également examiné comment la Belgique peut non seulement aider la République démocratique du Congo à trouver des solutions aux différents problèmes humanitaires et sécuritaires, mais aussi soutenir les processus régionaux en cours, notamment de Nairobi. Bien sûr, on a aussi parlé de la situation dans l'est du pays, des grandes difficultés auxquelles le pays fait face en ce moment, mais aussi du soutien que la Belgique apporte à la RDC pour essayer de sensibiliser à la situation dramatique au niveau humanitaire, mais aussi au niveau sécuritaire. Et ce sont tous des sujets avec lesquels on échange beaucoup pour voir comment essayer ensemble de trouver des solutions, soutenir aussi les processus régionaux qui sont en cours, le processus de Nairobi. On sait que le Premier ministre a récemment voyager, donc il est aussi très bien informé sur tous ces échanges avec les pays de la région. Donc voilà, ce sont toutes des questions qu'on suit. On sait aussi que le président va se rendre à New York. New York, l'Assemblée générale et le segment à haut niveau, c'est vraiment le moment où les pays peuvent s'adresser à la communauté internationale, au monde entier, pour faire connaître leurs préoccupations et aussi défendre leurs intérêts. Donc c'est vraiment un moment crucial pour défendre ces questions. On sait qu'il y a aussi l'avenir de la MONUSCO avec la volonté d'un retrait progressif, mais quand même vraiment organisé. La diplomate belge est sortie de la primature, impressionnée par la maîtrise des différents aspects de la relation bilatérale entre la RDC et la Belgique par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé-Kengé. Les taux d'enregistrement des enfants de moins de 5 ans a connu une augmentation de 15% par rapport à 2013 devant un panel de changes d'expérience organisé à New York au siège international de l'UNICEF. La ministre d'État, le ministre du Plan, a présenté la stratégie mise en place par le gouvernement congolais pour atteindre cette augmentation. Reportage Françoise Bouélaboaki. En termes d'enregistrement des enfants à l'état civil, la RDC a fait un bond qualitatif. En 5 ans, la barre de 60% a été atteinte. Des progrès significatifs partagés par la ministre d'État, ministre du Plan, au cours de Society 20, organisé en marge du sommet sur les ODD à New York. La première innovation, c'est déjà au niveau juridique, avec le code de la famille, qui permet un enregistrement gratuit dans les 90 jours. Aujourd'hui, avec le PDL 145 territoire, qui construit des centres de santé, des bâtiments administratifs, où il va y avoir des autorités de l'état civil,
au niveau de chaque territoire. Je pense qu'on est dans un processus pour rapprocher la population des instances qui vont permettre justement de faciliter cet enregistrement. Aux côtés du Nigeria, du Pakistan, de l'Éthiopie, du Bangladesh, la RDC a emballé l'assistance sur ces innovations mises en place pour réaliser l'ODD 16.9. Judith Soumino Toulouka a aussi évoqué les défis et le succès de la collaboration entre services. Avec l'ONIP, nous allons avoir les enregistrements. Et donc demain, avec une carte d'identité, on va générer un numéro d'identification nationale. Ça va nous permettre de capter l'ensemble de la population. Mais si on a les divorces, les mariages enregistrés, on a les décès, on a une photographie de ce que notre population exactement et comment on pouvoir avoir des programmes. Les échanges beaucoup plus approfondis ont eu lieu au cours de cette séance de travail avec le staff de l'UNICEF. Les pas franchis par la RDC ont été salués. Ça nous permet de voir que la RDC avance. Dans les modèles, dans l'interopérabilité des différents avec la santé. Grâce à ça, nous pensons que la RDC pourrait atteindre l'objectif de développement 16.9. Selon les dernières projections statistiques, si la RDC parvient à maintenir ce rythme de croissance observé dans les 7 prochaines années, le pays sera en mesure de réaliser l'ODD 16.9. Et avec l'appui de structures de Nations Unies, le ministère de la formation professionnelle compte mettre en place de projets de formation et apprentissage de métiers au profit de déplacés des guerres. La ministre des tutelles a discuté avec le représentant spécial adjoint du secrétaire général Bruno Lemarquis, Cédric Kenina. Formation professionnelle, Antoinette Kipoulou-Kabinga et les représentants spéciaux adjoints du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Bruno Lemarquis. Les échanges ont tourné autour de plusieurs sujets, notamment la réinsertion des déplacés des guerres dans la partie est du pays, la certification ainsi que la série des formations en ambulatoire initiée par la patronne de la formation professionnelle pour réduire le taux de chômage. Dans la finalité, l'objectif est d'étendre la perche à certains éléments à quitter les groupes armés. Le sujet principal qui m'avait amené ici, ça a été la question des déplacés à l'Est. Une de leurs principales demandes, ça touche les questions de l'emploi, des revenus et de la formation des jeunes, puisque ces jeunes peuvent rester un mois sur un site de déplacés, un an ou 10 ans. Et beaucoup ont été déscolarisés. En Ituri et au Nord Kivu, par exemple. Donc la question de occuper ces jeunes, les équiper en termes de formation pour qu'ils puissent ensuite trouver de l'emploi et ne pas être soumis à la tentation de retourner dans les groupes armés. Déjà en amont, les ministères de la formation professionnelle avaient conçu plusieurs projets dans le cadre de formations spécialisées sur toute l'étendue du territoire national. Une enveloppe consistante pour venir en aide aux familles et victimes de naufrages survenus au large de Kwamou dans la province de Maïndombé. C'est la gouvernante de province Rita Bola qui a réceptionné cette enveloppe de main du ministre des Affaires sociales, Chimène Dondo. En sortie de cette séance de travail, Madame la gouverneure Rita Bola, accompagnée du directeur général de la Caisse nationale de solidarité et de gestion humanitaire de catastrophe, Raymond Bongolé, s'est dite soulagée face à ces gestes de cœur posés par le gouvernement central à travers la Caisse. Pour elle, sa province venait à peine d'être victime des atrocités entre Teke et Yaka et le gouvernement central s'est mobilisé en termes de ressources, tant matérielles que financières, pour apporter une assistance aux sinistrés. Comme si cela ne suffisait pas, la province de Maïndombé a été de nouveau frappée par un naufrage de la baleinière HB le mardi 15 août 2023, dont 10 personnes ont perdu la vie. Pour cette énième assistance humanitaire du gouvernement central, Mme Rita Bola a remercié vivement le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le premier ministre, Jean-Michel Samalukonde Kyenge, pour sa grandeur de cœur et sa sensibilité aux cris d'alarme de fils et filles de Maïndombé.
Je suis vraiment soulagé parce que cette province a eu tant de problèmes. Je remercie les chefs de l'État, le garant de la paix dans toute la République. Je tiens à remercier le Premier ministre pour tout ce qu'il fait. Il est toujours à l'écoute et je remercie le gouvernement central à travers le ministre Mutinga qui a toujours été à l'écoute aussi de la province au nom de ces naufragés, au nom des familles de faim et au nom de ceux qui ont perdu tout. Je reviens dire merci. Saisis aussi cette occasion pour remercier l'ensemble du gouvernement central à travers le ministre Modeste Mutinga qui s'est toujours montré disponible et attentionné aux différentes sollicitations humanitaires de la province de Maïndombé. Au chapitre de transport, sachez qu'un dispositif pour la sécurisation des usagers de route sera placé à travers les acteurs publics. Ce projet a été au centre des échanges entre les concepteurs de ce dispositif et les experts de la Commission nationale de prévention routière. Reportage Anastasie Dumbo. Une nouvelle expérience dans les domaines de la signalisation routière va enrichir, sinon renforcer, des dispositifs en place. Il s'agit d'un avertisseur de danger dont les contours ont été expliqués aux responsables de la Commission nationale des préventions routières. La CNPR, à travers son président, a exprimé quelques suggestions avant le démarrage effectif de ces dispositifs. Quelle que soit la nature des suggestions exprimées par la CNPR, ce projet ira jusqu'à sa réalisation moyennant un réajustement entre les deux parties. Vous vous rappellerez, M. Massamba Déba avait présenté le dispositif qui est devant nous ici comme inventaire lorsque le chef de l'État a sillonné au palais du peuple les différents inventeurs. Et ce dispositif qui est devant moi, c'est un dispositif relatif à la sécurité routière. Nous, en tant que service technique, et faire un rapport à l'autorité. Avec l'appui du président de la CNPR, du ministre des Transports, nous sommes sûrs qu'on va avoir quelque chose pour faire un produit fini. Rappelons que la CNPR travaille à la sécurisation des usagers de la route, piétons et conducteurs des véhicules. La police de mines et hydrocarbures du Nord Kivu vient de se doter de 125 éléments formés dans la sécurisation de sites miniers en province. C'est dans le cadre de lutte contre le trafic illicite de minerais considéré comme l'une des sources de guerre interminable dont la partie orientale, un projet fruit de la collaboration entre les États-Unis et la RDC. Pendant 3 mois, 125 policiers venant des divers coins de la province ont suivi la formation. Parmi eux, 104 ont réussi, un taux de 90%, dont 6 femmes. La troisième, Rachel Kabunga de Butembo, qui exprime ici sa satisfaction. Je compte apporter plus dans notre pays parce que à partir de cette formation, j'ai acquis beaucoup de choses. Nous avons étudié au moins 32 cours, ce qui concerne les mines, ce qui concerne la juridiction, ce qui concerne la protection des enfants et ce qui concerne l'environnement, comment protéger même l'environnement. Les représentants du commissaire général de la PNC et coordonnateur de la réforme de la police, le commissaire divisionnaire adjoint Sébastien Ebois, a indiqué que ces policiers formés vont contribuer à lutter contre la fraude. Ce projet a permis à la police nationale congolaise d'acquérir les infrastructures de qualité, des matériels et équipements adéquats, la formation de plus de 500 policiers pour la sécurisation des sites miniers de deux provinces, à savoir la province du Nord Kivu et celle du Sud Kivu. Les chefs de projet police mine et représentants du chef de mission de l'Organisation internationale des migrations OIM, Madame Safiatou Diallo, pour qui également ces policiers permettront la lutte contre les trafics illicites des mines. Cette activité de formation a été clôturée par les représentants du gouverneur et conseillers en matière de sécurité. Et 152 sportifs praticiens du golf venus de 20 pays séjournent à Kinshasa. Ces athlètes participent à la 25e édition de l'Open des golfs qui va se dérouler pendant 3 jours au cercle de Kinshasa. Les détails avec Christian Vital. Cette 25e édition de l'Open de Kinshasa de golf coïncide avec les centenaires du cercle de Kinshasa. Le capitaine de golf de Kinshasa, Karim
Ndorani parle du contour organisationnel de cet événement. Il s'agit de 3 jours de golf basés sur la formule internationale du PGA, le Tour européen, espérant que nous allons arriver à joindre le Tour africain qui est en train de se mettre en place. Plusieurs compétiteurs congolais étaient de la partie, à l'image d'Adolphe Onosumba, ministre honoraire de la Défense, ou encore Patrick Muyaya, ministre de la Communication et Médias. La compétition de golf se déroule en 18 trous qui font 6 km 135 et se joue en équipe de 3 ou 4 maximum. À l'issue de cette première journée, quelques golfeurs se sont exprimés en ces termes. Ben, je crois que ça va faire 5, peut-être 6 ans que je viens m'exercer ici. Je reviens tous les week-ends parce que je crois qu'au-delà des caricatures, ceux qui vont essayer les golfs, je crois que même vous, vous n'aurez plus envie d'arrêter parce que c'est une rencontre avec vous-même dans un merveilleux cadre. La verdure, la pelouse, les lacs, les oiseaux et tout ça concourt à un rendement plutôt positif parce que ça vous permet d'avoir un équilibre. C'est un sport comme tous les autres et qui demande beaucoup de concentration, beaucoup de calculs. Donc c'est-à-dire c'est un sport complet. Là, nous venons de faire plus ou moins 7 km de marche à pied en tapant sur une balle. Donc je suis très content de participer à ce 25e Open et qui, nous célébrons aussi le 100e anniversaire d'existence de ce club. La deuxième journée prévue, c'est samedi 16 septembre, avant la clôture, le dimanche 17 septembre. Venons-en à cette messe d'action eucharistique en mémoire de l'ancien secrétaire général adjoint de l'UDPS Olivier Kabangou aux messes dites hier en la cathédrale Notre-Dame de Kinshasa. On fait le point avec Iverson Kabwaba. Il fut l'une des figures des proues de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS au moment de l'effort de la lutte. Olivier Kabangou, décédé il y a 5 ans, a reçu les hommages de ses anciens compagnons de lutte qui se sont souvenus de son combat. La messe dite en sa mémoire a été une occasion pour le célébrant du jour d'appeler les uns et les autres au sens du service et de l'amour du prochain. Ces deux valeurs qui incarnaient Olivier Kabangou, l'un de ceux qui l'ont connu, a fait témoignage émouvant. Kabangou, en tant que père, en tant que grand combattant de l'UDPS, il est parmi les cofondateurs de l'UDPS, si vous voulez qu'on parle de cela. Olivier, c'était toute une école de la vie, je dirais même école politique. C'est des gens qui nous ont formés aussi politiquement, des gens qui étaient autour du feu Étienne Tshisekedi, autour de autres fondateurs de l'UDPS, c'est auprès de lui que nous autres avons appris la politique. Olivier était un homme très engagé, très déterminé, l'homme d'abnégation. Il croyait à ce qu'il faisait. Même dans les moments les plus difficiles, Olivier pouvait vous dire « ça va ». Olivier Kabangou fut élu secrétaire général adjoint lors des conclaves de Bondeko en 1994. Il a été également à l'origine de la création des groupes de réflexion au sein de l'UDPS. Je l'ai dit à l'entame de ce journal, victimes de guerre, des conflits armés et autres vont dans les prochains jours bénéficier d'une réparation complète. La bonne nouvelle annoncée par Lucien Lounoulalo-Latui, directeur général du Fonds Narev, attendait Fonds national de réparation de victimes des violences sexuelles liées aux conflits armés et contre la paix et la sécurité de l'humanité. 5 provinces pilotes sont concernées. Regardez. À environ 200 km de la capitale Kinshasa, la ville de Kimpese dans le Congo central a constitué le point de chute d'une longue itinérance qui a conduit la délégation du Fonds Narev en Ituri, au nord et sud Kivu, comme au Kasaï central. Ces membres du Fonds national de réparation de victimes des violences sexuelles liées aux conflits armés et des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité connaissent bien leurs cibles face aux femmes, filles, enfants et autres adeptes du mouvement politico-religieux Boudoudia Congo, victimes des événements sanglants entre 2007, 2008 et 2009 dans plusieurs villes du Congo central. La délégation du Front Narev a prêté une oreille attentive pour mieux saisir le témoignage. Nous remercions le chef de l'État d'avoir pensé à nous. Nous espérons qu'avec l'arrivée du Fonds Narev, nous allons rentrer dans nos droits. Nous sommes vraiment heureux.
Pour une première depuis le début du cycle de violence dans le pays, les victimes de 5 provinces pilotes bénéficieront d'une réparation complète grâce à ces fonds pour lesquels la première dame de la République, Denise Nyakeru Tshisekedi, aura milité. Lucien Lundola Lolatui parle de son institution comme un cadre de correction des erreurs du passé. Les priorités ont été très clairement établies. Il nous appartient maintenant de mettre les moyens et les actions pour y parvenir dans le plus bref délai. Une fois de plus, le président l'a dit, les victimes ne seront plus seules. C'était un travail de déblayage pour nous permettre de poser les premières actions. Et nous pensons, en tant que FONAREV, que le moyen qui a été mis à notre disposition pour eux, eh bien, ça apportera une lueur d'espoir dans leur vie. C'est-à-dire que ce que nous avons commencé aujourd'hui sera poursuivi jusqu'à ce que nous puissions finalement aboutir à une satisfaction complète de nos victimes. Plus de 10 jours sur le terrain, jour et nuit sans relâche, bravant les difficultés de tous genres, la délégation du FONAREV a réussi à se faire une idée claire des attentes et des besoins de ses compatriotes à qui la vie a tout arraché. La prochaine sera sans doute celle de la réparation proprement dite. Et de l'autre côté de la province du Lualaba, plus précisément à Kolwezi, le tournoi interfacultaire organisé à l'université de Kolwezi a fermé ses portes. C'est le recteur de cet alma mater qui a présidé la dite cérémonie. Un match plaisant avec des bons gestes dans une forte ambiance. C'est le recteur de l'université de Kolwezi, Yvan Mwangwe, accompagné de certains membres qui a donné le coup d'envoi de la rencontre juste après son arrivée. Le match s'emballe dès la première seconde. La faculté de géologie a le pied sur le ballon cherchant l'ouverture du score. Après plusieurs ratés dans son temps fort, c'est dans le temps additionnel que Jean Capoya réussit à tromper la vigilance du portier de la Polytechnique. 1-0 à la pause. Au retour, la géologie ne relâche pas. Elle se bat comme un diable dans un bénitier pour doubler la mise. Chose qui arrive avec l'excellent Capoya qui double la mise. La Polytechnique se réveille et réduit le score peu après. Une avance bien conservée jusqu'à la fin. Les hommes des sciences conservent leur titre remporté la saison dernière. Une fête totale qui rejouit Yvan Mwangwe, recteur de l'université, qui fait passer son message. Nous lançons un appel vibrant pour vous permettre de pouvoir décider d'envoyer vos enfants à l'université de Kolwezi. C'est une université toute particulière. Dans cette université, c'est une université qui ne forme pas de chômeurs. Avec autant d'entreprises qui sont dans la province, nos étudiants, quelles que soient les filières qu'ils suivent, ils ont cette chance de pouvoir être embauchés. Les trophées, médailles, vareuses et d'autres prix sont remis aux gagnants, symbole de reconnaissance. La saison appartient désormais au passé. Rendez-vous lors de l'année académique prochaine pour une nouvelle organisation. On va se quitter dans la province du Haut-Ouélé où dans les cadres de la concrétisation du vaste programme lié à la gratuité de la maternité prôné par le chef de l'État, le chef du secteur des Gombari, Paulin Kambomaro, a doté l'hôpital général de référence des Gombari d'un important lot de kits sanitaires et pris en charge financièrement les frais d'hospitalisation et de maternité de certains pensionnaire. Un reportage de la RTNC Ichiro rendu par Pierre Mbouyousaïdi. Construit vers le milieu du siècle dernier dans le secteur de Gombari, en plein territoire de Ouattara, dans la province du Haut-Ouélé, cette institution sanitaire qui faisait jadis la fierté médicale de nos compatriotes vivant dans cette partie du pays et de l'ancienne province orientale, à savoir l'hôpital général des référents de Gombari, avait connu au fil du temps une usure criante, une détérioration exponentielle de ce bâtiment et de tous ses matériels médicaux. Cette désastreuse situation, qui faisait la rusée et la honte médicale de cette cité, n'a pas laissé indifférente l'autorité coutumière et traditionnelle du secteur de Gombari, le chef Jean-Paulin Isabu Kombomaro, initiateur de la fondation qui porte son nom. Ce dernier engageait à redorer le blason terni de l'hôpital général de référence de Gombari dans les processus de l'appropriation concrète et surtout de la matérialisation du vaste et transversal programme sanitaire du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Programme axé sur la gratuité de la maternité, le chef Paulin a pris en charge les frais médicaux de certains pensionnaires internés dans cette institution hospitalière. On a assisté avec les petits liens que nous avons, d'une façon symbolique, certains malades. Nous allons remettre
comme médecin chef de zone, cette enveloppe pourra vous faire sa médecin directeur pour en consommer quelques malades qui sont vulnérables. Donc la santé, c'est primordial. Ça, c'est la clé de toute chose. À travers cette prise en charge médicale et financière, la Fondation Paulin Kombomaro caresse le vœu de voir nos compatriotes du secteur de Gombari être tous en très bonne santé. Une ferme volonté du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi de Tshilombo, initiateur de la gratuité de la maternité. Voilà tout pour ce midi actualité. Mesdames, Messieurs, merci à vous d'avoir été de notre et surtout de rester branchés sur la radio-télévision nationale congolaise. Au revoir et à très bientôt.